bonjour et bienvenue dans le Ordrose Game World. Donc aujourd'hui dans le format les Ordrosiennes, c'est le deuxième épisode. Bon, au départ je voulais parler de l'article 13, mais comme j'ai trouvé le sujet vachement trop chiant, finalement j'en parle pas. Il y a d'autres youtubeurs qui en ont parlé, voilà, je vais pas le faire, une énième épisode là-dessus. Donc là aujourd'hui on va parler de la B12, des bienfaits et où on la trouve. Déjà, description. Alors, la vitamine B12, cobalamine, est la vitamine du tonus. Elle est absorbée par l'organisme à l'aide de substances sécrétées par la muqueuse de l'estomac et est ensuite stockée dans le foie, le cerveau, le pancréas et le cœur. La vitamine B12 est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Bon, l'historique. En 1925, un chercheur américain a démontré que la consommation de foie guérissait l'anémie chez les chiens. Cependant, ce n'est qu'en 1948 que des scientifiques anglais et américains isolèrent un pigment rouge à partir du foie et le nommèrent vitamine B12. Les chercheurs américains démontrèrent que des injections de cette substance guérissaient l'anémie pernicieuse, carence en vitamine B12, contre laquelle l'administration de suppléments de fer était inefficace. Alors les propriétés, la vitamine B12 intervient dans la fabrication des globules rouges, elle est co-responsable de la formation de la myéline, substance qui forme une gaine autour de certaines fibres nerveuses, et donc du bon fonctionnement du système nerveux. Indispensable au renouvellement cellulaire, cette vitamine intervient dans la synthèse de l'ADN. En associant avec la B6 et la B9, elle participe au métabolisme normal de l'homocystéine, dont un taux élevé est relié à l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Elle a également une action sur la fatigue, la croissance des enfants et la mémoire. Donc, excusez-moi si j'ai bafouillé, hein, c'est fait sur le tas. Je suis en train de lire justement un article. Je vous mettrai le lien justement de cet article dans la description de la vidéo. Il ne faut pas non plus déconner. Alors, les sources et besoins. La vitamine B12 est la seule vitamine du groupe B à être produite par l'organisme et en particulier par la flore intestinale. J'ai encore bugué, je suis désolé. Notre corps toutefois a également besoin d'en puiser dans l'alimentation. Il est recommandé d'avoir un apport nutritionnel en vitamine B12 de 2,5 microgrammes par jour chez l'adulte. À la différence d'autres vitamines, on n'en trouve pas dans les fruits ni dans les légumes, mais plutôt dans les aliments d'origine animale, la viande, les poissons, les crustacés, le lait, les fromages et les œufs. Un déficit en vitamine B12 provoque de la fatigue, des nausées, une perte d'appétit et de poids. Avec l'âge, le processus d'absorption de la vitamine B12 devient plus difficile. Les personnes âgées peuvent donc souffrir d'un déficit de cette vitamine. Alors pourquoi je voulais parler de la vitamine B12 ? Parce que, bon, certains véganes restent persuadés que là, on peut trouver de la B12 dans la viande animale, c'est parce qu'on leur donne des cachets. C'est totalement faux. Les seuls cachets donnés aux animaux sont des antibiotiques, c'est pour éviter les maladies. Qu'on peut dire, bon, pourquoi ne pas arrêter de manger de la viande et acheter directement des gélules de B12 en complément alimentaire, puis rester à avoir un régime strictement vegan. Bah, pour ces raisons-là, parce que moi, je préfère manger un steak. Un bon steak, c'est que tu auras ta B12 directement là, plutôt que d'avoir à bouffer le complément en chimique. C'est pas naturel, puis c'est tout. Donc ensuite, alors comme on disait, voilà, on trouve ça dans la viande, les poissons, les crustacés, le lait puis les fromages. Donc on trouve la B12 là-dedans. Et pour vous, j'ai trouvé une liste justement sur le net, pareil, des 20 meilleurs produits pour trouver là où on trouve la B12. Alors en 1, on a la palourde. En 2, on a les foies de bœuf, d'agneau et de veau. En 3, nous avons les rognons d'agneau. 4, rognons de veau et de bœuf. En 5, du poulpe.
Alors, ensuite, en sixième position, on a les huîtres du Pacifique, crues ou cuites. C'est pareil. En 7, on a les foies de poulet ou de porc. En 8, ben, tout ce qui est cervelle de bœuf ou de veau. Voilà, c'est. Après, c'est la même bestiole, il y a juste une histoire de maturité. En 9, dans le crabe. En 10e position, on a le thon grillé. En 11, les abats de poulet. Alors que je sais pas pourquoi ils disent le foie de poulet, mais le foie ça fait partie des abats. Bon, laisse tomber. Ils doivent parler du mahon et quand même comme ça. En 12, nous avons les sardines. En 13, les truites. Une truite arc-en-ciel. Bon, je sais pas pourquoi ils s'obstinent à dire truite arc-en-ciel. Hein. Une autre truite, je pense que voilà. 14, le saumon en conserve. Cuit au four, c'était quoi avant? C'était du thon, hein? Ouais, c'était du thon grillé. Donc là, saumon en conserve, cuit au four, grillé ou fumé. Voilà. En 15, nous avons le hareng mariné. Bon, il y a des gens, ils aiment pas forcément le hareng. C'est pas grave. En 16, bœuf et veau, toute partie cuite. Pas de problème. Ça, moi, je prends ça. En 17, on a le thon en conserve. En 8e, 18e position. 18e, pas 8e, pas déconner. Alors nous avons les œufs de poule, jaunes seulement et crus. Donc ça c'est pas trop difficile, hein. Il suffit juste de se faire des carbos. On balance notre jaune au-dessus de nos pâtes, c'est barquette. 19, le homard bouilli. Bon, après, il faut avoir les moyens de se le payer, son putain de homard. Pas déconner. Et en 20e position, on aura quand même quelque chose d'un peu plus raisonnable, un peu, voilà, un peu plus abordable, des crevettes cuites à la vapeur. Voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!